Di li député Dessalines nan ancien sénateur république lan Moïse Jean-Charles te ka fè qualité grosse déclaration ça mesdames et messieurs nous content avec vous aujourd'hui c'est mardi 6 septembre 2022 et n'ap souhaite bienvenue déjà sur canal pour la tv lakayhaiti.com et bien mesdames et messieurs jodi an c'est deuxième sortie nous pour ce maintenant et nous content et donc pour nous avec vous dans vidéo ça côté nous pral faire autant de diverses déclarations choc que ancien sénateur PIA Moïse Jean-Charles avec et donc président Sénat Joseph Lambert ancien sénateur Moïse Jean-Charles jodi a confirmé dans micro radio Mega dans émission Booster relation gagné avec nèg dans ghetto yo. Et depuis nous dit nèg nan ghetto tout moun wè nèg ki armé nèg ki gen zam nèg ki di a défendre bloc yo et ben Moïse Jean-Charles jodi a encore une fois confirmé que li gen relation et il pral sembler tout nèg ghetto yo pour aider le bataille et donc nan jou k'ap vini la parce que ap gen gros levé campé parce que fòk peyi a et ben jwenn souf il décidé bay carton rouge à tout nèg nan gouvernement Ariel Henry et lèn konnen gen moun ki di que et donc ministre intérieur lit kitel c'est Moïse Jean-Charles qui t'a baili c'est petite Dessalines c'est grand pion Moïse Jean-Charles et bien autant de Moïse Jean-Charles a fait manifestation à gauche à droite au cap même c'est tête chargée pour mander et bien $200 avec insécurité à nous pral faire autant de causer sénateur Joseph Lambert qui c'est président du Sénat qui lui-même jodi a la décidé pour déguerper Ariel sous pouvoir et venir avec un autre gouvernement pour et donc continuer Haïti donc sur une bonne route pour craser plat tout nèg qui eux même fait partie PHTK retirer PHTK dans figimoun parce que c'est eux même qui cause et pendant 10 l'année qui paye d'Haïti lui-même li dans état que lié jodi a est-ce que c'est vrai en tout cas Hélène connaît Joseph Lambert pour date li et donc après mandat dans Sénat et nous parle qui ça Lambert lui-même lui fait dans pays ça et là autendez Joseph Lambert jodi a là qu'a demandé pour et gouvernement ça retirer colle pour même venir à gouvernement pas qui ça yo pral le qui sérieux de quoi et ces questions ça en plus on a posé mais pas jamais qu'a joindre réponse et bien nous pral faire autendez tout détail en dans vidéo ça restez connecté bonne écoute tout le monde n'a tout Maurice gère relation avec examio qui ça t'a répondre bien, besoin de répondre question bien. On t'a souhaité répéter question encore pour me rendre le bien. Merci en pile. Est-ce que t'entends là? T'entends là sénateur? Aïe aïe aïe, mystique. Sénateur Moïse, t'entends là? On doit bien ça pour manger pep booster. Sénateur Moïse, ou là? Oui, m'entends bien qu'on est là. Merci beaucoup. Gagne monde qui dit que Jean-Charles Moïse est incroyable mais vrai. Gen pied la terre, Moïse atterri, Moïse atterri, Moïse descend dans ghetto. Et que Moïse gen contrôle ghetto. Oh yo yo, il me perdit la appel encore. Aïe aïe aïe. Finalement, c'est. Il en faut une bagarre avec Mounza et tout. Maman de Moïse, il va le dévendre, c'est la natte comme. Femme de ça. Femme de ça. Ok? M'baka, puis comme moi, m'fait appel, moi, m'baka capable. L'est pas possible. L'est pas possible. Vous comprenez? Faut que j'en ai difficile ou bien comme tout m'inviter dans booster pour moi ou une dîme. Ça, qui sens les gains? Ça, le fait même. Sans pas comprendre Romanes, on refuse de comprendre nous-mêmes son leader de gauche. Sous ta ou même son leader politique. Ou pour ses revendications dans le pays. Et puis, il y a des côtés où il n'y a pas qu'à aller. Je n'ai pas besoin de connaître qui est qui là. Je n'ai pas besoin de bien avec personne. Monde. On pas besoin de dire comme une relation avec mon nom. Mais discours n'a pas été assez pour payer n'a pas été. Depuis mon yo suspect ou pas dans droit ou pas dans bagay mal ou qu'on achète tout partout en dans payant, sont pas besoin de contact avec personne monde. Nous-mêmes situation qu'il a, on gagne l'aide bien dans pays là. On gagne monde qui va jouer dans pays là. Peut-être ça dépend des connexions ou okay? Ça n'a pas besoin de connexion avec n'importe qui, mais dans ces zones. Parce que nous sommes partisans, nous sommes tous contents dans le pays, hein? Nous sommes tous partisans dans le pays. Hein? Et ce qui pas, ça n'a pas exigé pour aller dans zone, c'est connexion avec ces gens. Et je dis, hein? Les gens, ce n'est pas un problème même.
moi même gère mon problème mon pays mais gère mon problème mais nous au contraire gère mon ses victimes des sociétés hein m'attendre bien au malaise est-ce qu'on prend pour l'elme ou bien non écoutez même tout précis ma ça je dis vous me entendez bien ça fait longtemps m'a parlé sur situation ça nous dit mon yo politique pas gain hasard là-dedans c'est pas tant quoi mon fou pour faire politique. Le rôle d'un leader politique, c'est un des mouns. Le rôle d'un leader politique, c'est garder qui cause qui mettait le pays là. Nous découvrons que c'est une élite économique qui contrôle l'État et qui met nous villes avant de pays. Ils ont senti dans toute couche. Romanes, nous avons critiqué si nous parlons avec un monde qui est dans le ghetto. Alors que si nous parlons avec un PDG banque, il n'y a pas de bravo pour moi. Alors que peut-être je m'entends faire plus mal parce qu'on est ghetto. C'est ça que je ne comprends pas. Je veux que je comprenne ça, je dis. Quel monde, lui-même, la force de la bagarre de la société, hein, et puis il mettait belle veste sur lui, il n'y a pas de critique. Le monde qui cause, mon petit pays, le monde qui cause, je dis que la montée, Romanes, bon, je dis que vous comprenez Romanes. On peut vivre 700 dollars par où. Ou à l'épaule dans le banc. Je vais lire en monnaie locale. Je vais lire en goutte. Tout à fait, ce 500 dollars, on va réacheter l'argent encore. L'on réacheter ce 500 dollars là, il va passer 50 par rapport à l'argent au bon là. Sous ce 500 dollars, tout à fait, pour acheter l'autre goutte encore, pour acheter 150 dollars, mais qui encore. Dis-moi, est-ce que ça, pour crime ça, Romain, est-ce que c'est pour criminel ou y est? Alors que, mon sa yo, yo pa yo koumou moun. Lè gen l'agent Fomento Caribe à Romanes. Gon koumou moun ki volé l'agent sa Romanes. Est-ce que mon sa yo, se pa gang yo ye? Mwen mèm, façon l'école la formé moun, yo di, se moun an ba yo, lè on fè bagay ki mal, lè ta manje yo, sosè ta manje yo. Nou tout Romanes, se tout pays en net. Kè moun ki gen ves, kè moun ki en wo, kè moun ki en ba, il n'y a pas qu'il doit faire des choses qui sont malades dans le pays. Mais même, les gens considèrent que les gens qui gagnent, c'est toute qualité de monde qui a fait payer mal. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Hein? Très bien, très bien. Maintenant, Kounia, nous allons finir, sénateur. Demain, on dit que il y a différentes branches. Rappelez pour nous, côté de sorti différentes branches. Yo, et par quoi, à côté nous prenons le bout. Est-ce que bon espace bien spécifique, à bon côté de délivrer un message? Expliquez-moi ça. Écoutez, on malaise. On dit, on a sorti sur la zone, nous avons pour passer la zone, nous avons la rue, excusez-moi, nous avons la rue, nous passer la zone, nous allons en bas et vers du clan, il y a l'autre branche encore, plusieurs côtés qui parlent de Junior, il y a l'autre branche qui parle sorti dans la zone Gérald Bataille, il y a en plus l'autre zone, tout qui va sortir quoi des bouquets. Nous-mêmes, nous allons essayer de regrouper nous au niveau. En bas, j'ai dit que là, nous parlons pas autour de Delma là, Delma 30 d'Aptan nous, Delma 30 d'Aptan nous, et Delma 47, tout autour de Delma là, Gepetto qui parle de jeunes avec nous, et nous parlons pas dans son ville, et nous parlons de 17 personnes sur la route là, nous parlons de retourner encore sur la rue, et pour nous aller bout devant l'association, pour nous aller devant le message là. C'est ça que nous pouvons faire au Mali. C'est dit? C'est une manifestation, il y a pile tête là-dedans, et nous pouvons canaliser mon pour monter vers Petionville après pour descendre sur Boudon. Très bien. Merci beaucoup, sénateur. Je vais garder ça, ça va bailler demain. Merci beaucoup. Je suis content de faire parler ça à vous. Merci, Romanes. Moi-même, Romanes, je suis vraiment content de parler matin. C'est le bagage, je vais répéter encore pour M. Mankotandel. Je vais répéter encore pour M. Mankotandel bien. Parce que moi, deux machines du tout. Je dis, les gens malades. Et ta malade là, c'est pas médecin qui est responsable. C'est pas médecin qui est malade. C'est irresponsable des malades là qui cause malade là vient transformer en cancer. Malade vient transformer en cancer et là c'est malade là, il n'y a pas de souci pour lui s'il pas courir traiter cette fille. Ça veut dire, mon bon qui ont, c'est nous-mêmes qui mettons tête dans la situation qu'il a. Et ouais, au lieu d'aller attendre, il préfère commencer à aller dans le secteur privé pour aller dans le ghetto. Pour les mettre l'argent, pour les mettre manger, et bien conseil des militants politiques
soit un militant, qu'on je ne peux pas prendre le barrière, parce que je ne peux pas prendre trois coups, il y a 17 fois, demain, dans le funérailles, Mounsayo, en deux pays. Merci beaucoup, sénateur. Voilà, Jean-Charles Moïse avec lui. Nous avons gardé réaction à la touche. La réalité, c'est que il y a des propositions tout qui viennent des sénateurs. Bien. Et il y a le sénateur Dumont qui lui-même écrit président Sand en sens ça. Et il y a un sénateur Kidley Augustin. Okay. Qui, il en est de même pour le sénateur Sildor qui a adressé mon correspondancier et en proposition. Mais on a dit que le Sénat, à date, en tant qu'institution, n'a rien proposé encore. Ok, c'est ça, demain, c'est que ça clair pour nous. Maintenant, les propositions existantes, c'est des propositions de sénateurs. Yo. Par exemple, la proposition sénateur Sidor, là, c'est proposition Sidor. Proposition et sénateur Patrice Dumont, c'est proposition Patrice Dumont. Proposition et que de l'Augustin, sénateur que de l'Augustin, c'est proposition sénateur que de l'Augustin. Donc, c'est pas la proposition du Sénat. Non, ce n'est pas encore la proposition du Sénat. Okay. C'est la proposition et des initiatives des sénateurs qui ont, certains sénateurs, individuellement, et qui ont choisi d'attirer l'attention du président du Sénat sur la nécessité de proposer une solution à la nation. Très bien. Et je ne veux dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, les revendications fusent de toutes parts et manifestations griefio ou joigno à travers les rues, à travers des manifestations de rue, ou joigno à travers des barricades et autres, etc. Et ou joigno tout à travers des menaces et parfois violentes ou bien des menaces voilées que fort malheureusement que dont je déplore et certaines. Mais je ne veux dire l'impératif pour que nous comprenions et que face à cette situation délétère, il est impératif que le Sénat en tant qu'institution les mêmes tout, les tendez l'autre monio et comprennent et tout secteur, toute tendance confondue pour que définitivement nous, ouais, qui ça, au moins nous capables d'essayer, créer comme initiative, avec des bons instinctifs, si je me dis ça, faire de telle sorte qu'on encourage cette initiative et baille on sens à revendication, à recommandation et à un possible solution consensuelle. Et c'est pour cette raison que ma occasion pour me dire que nous avons entrepris des démarches là auprès de l'autre pouvoir en d'un pays là, pour nous capables de jouer un espace qui est suffisamment sécur pour que le Sénat est bien capable de réunir et analyser toutes recommandations et propositions pour que définitivement le Sénat capable de même faire une proposition alternative. Eh bien, donc, en fait, à partir d'un fusionnement de ces trois propositions? À partir de l'analyse, nous, de ensemble documents que trois sénateurs proposés, à partir de l'analyse, nous, de ensemble initiatives et recommandations qui sont faites par les grands groupes signataires d'accord, comme Montana, PEN, Solide, Accord Unitaire d'Haïti, et autres, etc., le secteur privé des affaires, pour que définitivement, on puisse au moins essayer avec les acteurs internationaux, avec la complicité, je dirais, positive, hein, je dis bien, oui, j'insiste là-dessus, la complicité positive, des acteurs internationaux, nous-mêmes en tant qu'instance légitime, qui gagnait jusqu'à présent mandat populaire et jouit de prérogatives constitutionnelles malgré limitation nous, malgré et faiblesse nous. Mais pour nous que au moins nous pas quitter question entraînée. Oui, mais sénateur Lambert, on a donc l'impression que les accords ne tiennent plus.
c'est comme Dado pas gain accord encore parce que quand même nous passer un an et APC joignon un fusionnement des accords, il n'est pas possible. Est-ce que là nous va parler vers on entente au lieu de accord? Écoutez, il faut de toute façon une entente. Une entente entre les différents groupes parce qu'à l'intérieur, à l'intérieur des accords, il y a quand même des éléments positifs que d'un côté comme de l'autre, nous avons tiré pour nous fusionner et pour Banon, ça me décarrelé, pour retirer Scorio et puis Banon, on produit acceptable et un produit qui permet à la nation de continuer à fonctionner dans la sérénité, dans le calme, pour atteindre les objectifs dont tout le monde voulait atteindre, qui s'allient, un retour à la stabilité politique et à la normalité institutionnelle à travers, bien sûr, des élections acceptables, crédibles et inclusives. Voilà, nous-mêmes, moi-même, en tant que président du Sénat, c'est à ce stade que je me situe et c'est à nous autres aussi de comprendre la nécessité de l'heure pour consentir des sacrifices de part et d'autre. Eh il ne faut pas qu'il y ait à la fin ou bien au bout du chemin, il ne faut pas qu'il y ait ni de vainqueur ni de vaincu. Il faut que Haïti soit au centre de nos préoccupations, au centre des débats et que Haïti soit le dénominateur commun pour tout un chacun. Voilà. Ok, je dis à nous garder réalité donc le sénateur Joseph Lambert. Il y a donc une date limite des Nations Unies au Premier ministre Ariel Henry qui c'est le 17 octobre. Pour ce mois de septembre 2022, quand même, il faut qu'il y aille donc, sur la tribune des Nations Unies pour parler en fait, de l'état de la nation. Et nous, tu as censé à deux doigts de yon éclatement social parce que ensemble de manifestations de oui qui a fait tout côté dans le pays, ou comprennent que je dis, moun kap gade, et nous pas trop loin de yon éclatement. Maintenant, comment ou même on aborde des questions ça si arrivons au bagage après est-ce que nous-mêmes nous réfléchissons pour l'après Ariel si entre guillemets t'as un éclatement et que l'État a obligé de quitter le pouvoir. Écoutez, nous avons dès le parce départ, que ça très important sénateur Lambert parce que on a commis l'erreur avec Jovenel Moïse, cela qui était en fait dans l'opposition en face président Jovenel Moïse, il n'y a pas de comprendre clair et nous voyons ça qui passait mais parce que l'après Jovenel Moïse n'a pas été planifié. Maintenant avec Ariel Henry, qu'est-ce qui est prévu pour l'après? Exactement. L'après Jovenel Moïse, c'est un bagage imprévisible. Là, maintenant, nous n'avons cas d'espèce où on peut prévoir. On peut prévoir ce qui pourrait se passer après, bien sûr, l'obtention d'une entente. Ok. Eh bien. Alors, tu vois, m'a tout profité et utilisé pour une entente avec Ariel Henry ou bien sans Ariel Henry? Écoutez, nous sommes des fils et des filles d'une même nation. Eh bien. Et c'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que dans la recherche d'une solution, l'on pense à tue-tête, à la logique de « au toi que je m'y mette ». Eh bien, eh bien. Je suis partisan qu'il y ait ce que je pourrais appeler un juste équilibre, un juste milieu qui permette à l'État et à la nation de fonctionner et qui permette aussi à l'État d'atteindre les objectifs que doit fixer Baïtetti dans toute transition. Très bien. Dans toute transition, ce qui est important de faire, et c'est dommage qu'après 14 mois, rien n'a été fait en ce sens, ou bien très peu d'initiatives ont été prises en ce sens. Parce que le rôle de gouvernement de transition, surtout et avant tout, c'est de travailler à un retour à la normalité institutionnelle, faire de telle sorte qu'il y ait des élections légitimes, transparentes, et que tout le monde puisse y participer sans inquiétude, sans a priori, et que le meilleur gagne, et que les institutions démocratiques puissent recommencer à fonctionner. Mais aussi, avec cette situation qu'on a vécue, un peu avant Jovenel, qui s'est empiré après Jovenel, parce que les gangs contrôlent maintenant presque tous les pans du territoire, eh bien, je ne veux dire, non, quoi que la question sécuritaire
eh bien, les doués à l'ordre du jour. Mais la question sécurité, sécurité physique et autre, etc., dont tout le monde parle, eh bien, bon, l'autre insécurité qui est plus grave toujours, c'est la sécurité alimentaire. Eh parce que nous ne connaissons pas combien de monde a mouru dans le gouvernement aujourd'hui, combien de monde qui mouru la caillou, et exemple, les craintes, même monde qui sont contre l'État, en prison, l'État va pas manger, il a mouru dans la prison. Dans l'espace de 15 jours, il y a 8 monde qui mouru dans la prison Jacques Mel. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que de qui ça a mouru? Il a mouru de grand goût. De la faim, oui. De la faim. Lors d'une situation comme ça, les gens qui parlent dans la prison lui-même, eh bien, m'a dit en toute sincérité, alors que les gens qui parlent dans la prison, on doit le manger. Alors que les gens qui parlent dans la prison, on pas doit le manger, et le pas qu'à venir manger, et maintenant, il devient chimère. Et lors d'une situation comme ça, c'est une situation incontrôlable et il faut éviter qu'il y ait ce que mon ami et Hannibal Kofi répète souvent, qu'il y a une poussée historique incontrôlable et que tout le monde qui a toujours parti dans la rue a pu dire « n'a pas cherché et tel ». Nous pas trop loin de ça, non, c'est Antoine Lambert. Ah oui, c'est la poussée historique et c'est ce que moi personnellement, moi crains et c'est pour cette raison que mon discours en tant qu'homme d'État doit être toujours un discours apaisant, mais un discours apaisant mais un discours dur aussi de ceux-là qui aujourd'hui doivent impérativement consentir le sacrifice nécessaire pour essayer de créer les conditions indispensables à la recherche de ce consensus tant souhaité par plus d'un. Très bien. Très bien. Voilà. Vous avez rencontré le secteur privé des affaires. Qui est-ce qui est la principale préoccupation par vous? Et j'ai parlé au téléphone à un bon nombre d'amis du secteur privé des affaires. J'ai rencontré M. Bossan, j'ai rencontré M. Edith Dib, etc. Mais aujourd'hui, quelque part dans la capitale là, nous avons une rencontre officielle avec les signataires de la note du secteur privé, ce que relève groupe entrepreneur et hommes d'affaires et autres, etc. C'est occasion pour me tendre, pour me comprendre, et c'est occasion tout pour que me garder au droit manger, ou même me garder droit manger, et puis pour me dire Haïti que n'a pas gardé là pour nous tous, eh bien, faut nous faire bien attention parce que personne ne va t'épargner lorsque poussée historique ça annonce à amorcer. Alors, c'est peut-être l'occasion de faire, de voir entre les politiques et les monde qui n'a économique et monde qui n'a social, eh bien, pour faire, ça me déclare les blocs derrière l'idée pour que vraiment on recherche l'équilibre nécessaire pour nous conduire sur le chemin de la stabilité appropriée pour la tenue des élections et ceci dans le plus bref des délais. Eh bien. Et, sénateur Lambert, si la situation était gênée là, et nous sommes arrivés au deuxième lundi du mois de janvier, ça ne s'est pas passé? Bon, c'est le chaos total, parce que tout le monde vient aujourd'hui, hein? Et c'est ça, oui, que tout le monde veut comprendre. Est-ce qu'on comprend? Et c'est ça, pour tout le monde veut comprendre. Est-ce qu'on va combattre à la bouffe et passer le temps pour justement nous arriver dans le deuxième lundi du mois de janvier? Mais ça, le monde, ça, c'est des mondes qui sont anti-peuple ou bien anti-pays. Peut-être qui ça? Ça très important, c'est Nathan Lambert. C'est Nathan Lambert, c'est soit qui va imbécile qui va prendre. C'est ça très important. Est-ce que là, parce que nous, ça, on a qui s'y fait déjà. Il y a quitté de passer, parce que le temps, c'est très important en politique. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche là pour faire temps passer pour nous arriver dans le deuxième lundi du mois de janvier avec justement la situation qu'il a? De toute façon, Mabdiou, Sordia. Et pas première fois, m'entendez, depuis sous 5 premiers mois d'année, m'entendez. OK. Laissons les choses traîner en longueur, laissez passer le temps, et un jour viendra où il n'y aura plus de lits légitimes et où, je ne vous dis, n'a plus seul le basse-cour. Eh bien. Ah, mais faut faire bien attention, parce que l'on seul le basse-cour, et puis bien tout, dans le tuyau. Et puis, gros serpent, entrer dans tout yo. Ah, mon cher serpent, manger dernier monde qui est dans basse-cour. Ça dit là, sénateur. Ah, l'on est tout dans tuyau.
et puis qu'on y a là pour gros boire, camper dehors, et puis puis on get tout dans tuile là et pour faire mettre tout seul en bas cour. Ah ben mon cher, m'a dit où boire pas bail personne pour quand dans bas cour à chance. Oui mais c'est ça que ça nous éviter que je ne vous dis pendant que pour qu'on get toi parce que l'on veut ou non, je dis à Sénat de la République avec 10 élus légitimes constituer une soupape de sécurité encore pour la démocratie dans ce pays. Mmh, hein? Mmh. Et deuxièmement, l'irrité aux outils de référence à partir duquel ou capable chita sous lit pour que au moins ou légitimer au consensus. Mmh. Et je dis bien légitimer au consensus. Mmh. Je dis à, si nous trouvons au deuxième lundi de janvier sans que nous parvenions à un consensus légitime et inclusif, eh bien, ce sera le chaos total. Et c'est justement ça que nous craignons pour que nous ne trouvions pas dans cette situation et puis pour qu'on y ait là autant de tout le monde. Ah, il dit tout le monde a perdu. Dans tout le territoire, la guerre, on slogan de Yowa, on a le cherché un tel, on a le cherché un tel, on a le cherché un tel. Et ce sera la période de 1987, la grande période où moi songeais, Monseigneur Jérémie, t'a dit, rachetement York, bail tes blanches. Très bien. Alors oui. Là, nous ne sommes pas capables de contrôler. Il est temps que nous ouais question sans que nous ne nous pas boucher genoux, sans que nous ne pas dire que nous prenons drap ça pour nous couvrir pieds nous, parce que drap ça n'a intérêt. Nous. Monsieur, pas de drap encore. Ouais. Drap déchiqueté, pas de drap pour couvrir pied mon encore, drap pas de drap encore, drap pour tout.